Hello, boys and girls. Good evening. We're here today again, starting the cycling weekend. Someone is saying hi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Prends le plus beau, prends le plus beau. Ça marche. Oui, hein, Castelli. Castelli. Ça marche pas, ça marche pas. Ciao, Luca. Come on, posto. After that interruption, we're back here for another cycling weekend. This time it's going to be the Assemblée Générale Union Cycliste Monégasque. And basically they're going to talk about last year, what we did, what they did, all the numbers and all that stuff. And afterwards we also have dinner, looking forward for that. But we'll also have a small surprise. Ben, do you know about the surprise? No, it's a secret. It's a secret, okay. The secret will be, you have to keep watching to find out the secret. So, go ahead and I hope you enjoy. Buonasera, buonasera. Buonasera, come va? Quanto tempo, eh? Come va? I'm trying to speak in English, but... Yeah, if you want. In English it's good. English, so I don't have to translate later. How are you doing? It's fine, thank you. You? Good, good. I am the real champion. The real champion. He's coming for a trophy. Yeah. He's coming today for the trophies. Three trophies. Oh. For what? Ancienneté. Okay. Le plus beau. Okay. Yeah. And the most humble. Yeah. Hello. Hey, ça va? Ça va? Hello. Oh, ça va? Ça va. Hello. Un peu de vidéo. Mm-hmm. Et maintenant, un peu de vidéo aussi. Voilà. Je vais faire anche... C'est le 26. Infatti, domani, come era domenica, voglio fare un po' di trail test, la ruta, così vedo un po' come sono fare i 30 km. Ah, vuoi provare quindi 30 km? Sì. Già faccio questo di ES, così almeno mi preparo doppiamente. Adesso vuoi venire domenica? Ci sei? L'idea mia è di andare fino da Nizza in treno fino a ES e dopo prendere di lì dalla strada, fare lo stesso percorso ma iniziando lì. Invece di... Le pensavo magari andare presto, tipo 8-9 o più o meno così. Appena sale un po' il sole. Scappa il treno lì? Sono più o meno, sarà calcolo, magari 3-4 ore massimo. Ci sia mezzogiorno, finita, riposo. Bravo. Ti faccio bene? Ok. C'ho anche lo zainino. Tu vas pas attraper les boutons, tu sais. Il y a, quand j'étais tout jeune, ça fait longtemps, dans les catégories de coureurs, il n'y avait pas de limitation supérieure d'âge. C'est-à-dire qu'après les juniors, etc., les seniors, les vétérans, il y avait encore donc, les vétérans, il y avait les ancêtres et les vieilles gloires. Je me demande dans quelle catégorie on pouvait me mettre. Le club ayant été fondé en 1952, ce soir nous en sommes à la 65e Assemblée Générale. À la 65e. Maintenant il y a une petite surprise. La surprise, bien. Non seulement c'est la présence de Peter Sagan, trois fois champion du monde, qui nous fait l'honneur de venir, mais on souhaitait remercier M. Doria. Alors, M. Doria a fait l'année dernière 90 ans. Donc 90 ans. Et on souhaitait vraiment y faire quelque chose de particulier. Donc, quoi de mieux
qu'un champion du monde pour remettre la médaille, pour remercier tout ce que vous avez fait pendant toutes ces années. C'est tout fêté, c'est 90 ans, même si c'est un peu en retard. Merci beaucoup. C'est vraiment le minimum que vous pouvez faire. Et merci à Peter d'être venu. Il est toujours disponible quand on fait appel à lui. Toujours disponible avec les jeunes et les anciens et avec le club de Monaco et la fédération monégasque de cyclisme. Merci Peter. Bon, je vous remercie tous une fois de plus. Vraiment, c'est du fond du cœur parce que je ne m'attendais pas à cela. Voilà. La photo, la photo. Ah, d'accord. Un peu plus, là. Ouais. Bene, siamo già iniziati, abbiamo fatto training in Mallorca e domenica partiamo, andiamo in Argentina, prima gara. Alcuni sono già in Australia che corrono e poi rimango in altura in Colombia. E dopo quando ritorno vado direttamente Strade Bianche, Tirreno, Sanremo, tutte le classiche in Belgio. Allora. Quindi gli obiettivi sempre gli stessi? Più o meno. Dopo ho cambiato che volevo andare a fare Giro d'Italia, allora quello è il grande cambiamento credo in tutta la mia carriera e dopo provo a fare anche bene Tour de France. Quindi Giro è tuo, bravo, complimenti. Vai, ti auguro belle soddisfazioni per questo 2020. Grazie. E magari un campione d'Europa. Quello vediamo. Vediamo. Forse il mondiale è un po' duro, no? I mondiali sono duri, sì, quest'anno, allora vediamo cosa riesco a fare. C'è anche Olimpiadi, devo andare. Milano-Sanremo, sì, però vediamo come va. Allora, per la Milano-Sanremo, sappi che il giorno della Milano-Sanremo ci sta la commissione Strada delle Luci che si riunisce a Monaco. Mm-hmm. Quindi tutti i membri della commissione Strada delle Luci verranno a vedere l'arrivo di Milano Sanremo, quindi spero che possano applaudirti. Ah, vediamo, io provo. Poi. Ok, grazie Peter. Peter è a disposizione se qualcuno vuole fare una foto, perché visto che tutti hanno tirato fuori il telefono, penso che 5 minuti ve li dedica volentieri a tutti. Bici? Anche qualche giorno? Cheese! Voilà! Merci! Ben après, Ivan il le fait pour moi. Bravo, bravo, bravo. Encore champion du monde, une fois. Allez. Je sais. Bravo. Allez, grazie. Merci beaucoup. Allez. Voilà, pause. Peter, bocca al lupo in tua carriera, tieni duro. Puoi dire una parola alle persone che vogliono fare la bici? Ah, sì. Cosa le diresti? Allora, ciao a tutti, sfruttate la bici che è un sport bellissimo e fate tanti chilometri e vi auguro soprattutto con salute. Ottimo, grazie mille. Ottimo, grazie. Beh, il slovacco, sì? Ah, je sais pas. Il est américain normalement, mais sûrement de provenance. Dice che è morto un po' di tempo fa un grande... Un astronomo eccezionale. Un astronomo, uno studioso che si chiama Carlo Sagan. Sì, sì. Lo sai? Sì. So perché avevo maglietta Sagan a Londra e uno mi fa Sagan, dove hai preso la maglia? Ho detto, è mia maglia.
Ah non, il a rencontré le savant lui-même alors. Non, quelqu'un, lui, il avait son t-shirt avec Sagan, Sagan, mais il connaissait pas que c'était lui. D'accord. Il le prenait pour astronome. Oui, non, c'est astronome. Non. Piuttosto, cosa diresti agli under 23 che vogliono diventare pro? Che consiglio gli daresti? Va bene, posso solo considerare che non mollate mai, bici è un sport duro, allora tanto duro lavoro e ogni lavoro ci porta anche frutti, allora c'è da pensare quello. Ok. Quando vai in bici con gli amici, qual è il momento che ti piace di più? Quando ci fermiamo al bar. E quando ti fermi al bar cosa prendi? Qualcosina veloce da mangiare, caffè e andiamo via. Dopo un giorno di gara, quando arrivi a casa, cosa fai? Dopo un giorno di gara? Sì. Quasi sempre stiamo in alberghi, allora niente, è più importante in gara recuperare veloce, allora è meglio non fare niente, massaggio e poi è già finita la giornata anche. Uh-huh. Ok. Fuori stagione cosa fai per cosa fai? Io sto cercando sempre fare qualcosa, qualche sport, anche se non è bici, che bici non tocco per un mese, però faccio diversi sport, hiking, non so, nuotare, poi in inverno sci, snowboard, tanta palestra. È importante per la stagione che si fa la forza e così. Uh-huh. Ho visto che stai cucinando. Dopo la tua carriera diventerai cuoco? Spero di no. Però so cucinare, sì. Sì, sì. Ma magari aprire un ristorante? Ti piacerebbe? Non lo so, avere un ristorante è grande responsabilità, credo. Mm-hmm. Devi stare sempre dentro, allora non lo so ancora cosa devo fare. Cosa? Da grande. Sì, vado a fare da grande. Una volta grande, più vecchio, cosa vorresti che la gente ricordi di te? Vabbè, solo buoni ricordi, non brutti. Ottimo. Fa delle belle domande. Beh, allora, grazie molto per questo bel ricordo. Grazie. È un piacere. Maintenant, je vous invite à passer au cocktail en attendant. So, we just had the AGM of the Monaco Club, Monaco Club, Cycling Club, and now we're gonna have a few words from Umberto to tell us what was going on and his impressions. Me lo puoi dire anche in italiano, eh? No, je vais parler en français, donc tu peux nous, raconter nous un peu qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on a eu l'assemblée générale de l'Union Cycliste de Monaco, comme chaque année. Donc chaque année, il y a l'assemblée, c'est le moment de rencontre un petit peu entre le bureau et les membres du club pour le rendre un peu les comptes de tout ce qui s'est passé de la saison donc 2019 et tout ce qui va venir pour la saison, les projets pour la saison 2020. Donc après, il y a eu le bilan comptable, c'est la partie moins enthousiasmante de la réunion. On a eu la chance d'avoir la présence de Peter Sagan, qui est venu remettre une médaille en honneur de notre secrétaire général, M. Doria, qui vient de faire ses 90 ans. Donc on souhaitait le remercier. Et quoi de mieux d'avoir un triple champion du monde pour être remercié, d'être à nos côtés à cet âge-là, toutes ces années. Il est chez nous depuis 1953. Donc je pense que c'est le minimum qu'on pouvait faire. Et bien sûr, on remercie Peter Sagan parce que je sais qu'il doit partir après-demain. Donc il était en train de préparer son départ. Mm-hmm. Il a son fils à la maison. Donc c'était sympa de sa part de venir lui dire un petit coucou. Ouais, c'était le moment de la soirée. Voilà, c'était le moment de la soirée. Et Doria, il a quel âge? 90 ans. 90 ans, wow. Voilà. Et toujours présent au club, il rend service, il se plaint jamais, donc c'est un exemple pour nous tous. D'accord.
Et là, maintenant, pour l'année 2020, qu'est-ce que tu souhaiterais pour le club? Ben, c'est toujours de grandir, hein, bien sûr. On a fait pas mal de pas en avant depuis quelques années. Avec, on met l'accent toujours sur la formation. C'est un petit peu notre rôle, hein, parce qu'à l'origine, donc, on a un rôle de formateur qui nous est donné par l'éducation nationale et les sports. Donc on est là pour s'occuper en priorité des jeunes. Déjà pour qu'ils puissent s'épanouir dans la pratique du vélo et pour les meilleurs qui puissent arriver au plus haut niveau. Cette année, on a eu la chance d'avoir un de nos anciens coureurs, Brandon Rivera, qui a signé chez Ineos, qui est terminé Ineos. C'est la plus importante équipe World Tour UCI. Donc pour nous, c'est une fierté. Ça veut dire qu'il y a un travail et un savoir-faire qui existe et qui est là. Et on espère en faire profiter nos jeunes en les faisant participer aux plus belles courses du calendrier international. Donc on va continuer toujours avec cet élan. Et on va essayer de s'améliorer d'une année sur l'autre, petit à petit. On est parti presque de zéro. Moi, je me rappelle, on est parti pratiquement en 2009, quand il y a eu le grand départ du Tour de France. Mm-hmm. À l'époque, on avait zéro jeune. Et depuis, ça a commencé, l'intérêt des jeunes pour le vélo. Mm-hmm. Donc le Tour de France, bien sûr, n'est pas étranger à ça. Et on a commencé avec les minimes, les cadets, les juniors, les espoirs. Voilà. Mm-hmm. Et ça a commencé à grandir, à prendre de plus en plus d'importance. Bien sûr, on a besoin de tous parce que c'est pas évident pour gérer une telle activité. Hein. On est quand même, on est toujours une petite famille, hein, mais la famille s'agrandit et on a besoin toujours de l'aide de tout le monde pour qu'on puisse faire avancer le vélo au plus haut niveau à Monaco. Et là, avec le grand départ à Nice, on dirait que c'est un espèce de premier cercle qui. Ouais, tout à fait. Ouais, là, on va avoir le départ à côté. Malheureusement, je pense qu'à Monaco, ça va être difficile d'avoir un grand départ. Bon, en ce moment, on a beaucoup de travaux à Monaco, donc c'est pas envisageable. Peut-être dans quelques années. Mais bon, c'est nos voisins niçois qui l'auront et nous, on sera présents avec eux. On a beaucoup de professionnels qui courent avec une licence Fédération Monégasque de cyclisme. On a à peu près une cinquantaine de professionnels. Et tous de très haut niveau. Là, ce soir, on a eu Peter Sagan, mais on en a d'autres, Philippe Gilbert, Christopher Froome, Nairo Quintana, donc des grands champions, bon, j'en oublie certains noms, qui sont là, qui nous font vibrer tous les week-ends sur les routes du monde entier. Et nous rejoint ici pour. Voilà, donc on a la chance de les avoir ici. Souvent, nos jeunes, ils arrivent à les côtoyer à vélo, rouler avec eux à l'intersaison, quand ils sont là pour préparer leur saison. Après, bon, quand le calendrier commence, débute, c'est un petit peu plus difficile, mais certains, moi, ils reviennent toujours. Donc on a toujours la possibilité de les rencontrer. Ils sont toujours très sociables. On a encore eu le cas de Peter est évocateur de cet état de fait. OK. Bah, je pense qu'on a pas mal de choses. Merci. Je ne vais pas te retenir. On va aller manger. Allez. Peut-être. C'est bon. Nickel. C'est parti. So, this was Umberto, the president of the federation, of the Monégasque Cycling Federation. So, time to eat. See you later, because I'm hungry. Bye. Ciao. Ciao. So, this was the Assemblée Générale of the Monaco Club, and now it's time to go home for vodka. No. Maybe someone wants to say something before we go. We say goodnight. Good night. So, buenas noches. You are so cat. I don't know. Bonne nuit. Queen Avent. Queen Avent. Spacone Noche. On a d'autres langues? Non, là c'est Queen Avent. Il me l'a déjà pris. Okay. Bonne note. Bonne note. Ottimo. Bonne note. Bonne Non, ça c'est demain matin. Ah, aussi. Guten Nacht. Guten Nacht. Guten Nacht. Putain, tu t'es gavé. Ok. Anyways, enough for tonight. So, see you in the next one. Bye. C'est un minimum. Sinon, je photobombe. À la prochaine.
Hasta luego. Adios. Arrivederci. Allez. Bye bye.